s'appelle Lucie. Elle a une vie qu'elle n'a pas choisie. Elle bosse dans un bureau. Son salaire est loin de celui d'Hugo. Quand elle arrive le matin, elle garde le sourire, mais ne va pas bien. Un collègue abuse d'elle, mais elle a très peur d'avouer ce problème. Lucie, Laure et Marie ne sont pas épanouies. Elles vivent dans l'oubli, chacune avec leurs soucis. Ces femmes veulent changer le futur qu'on leur promet. Elles n'y arriveront jamais si elles ne sont pas aidées. Quand Laure va travailler, elle a des envies de se révolter. Elle rentre fatiguée des longues journées dans les champs de blé. Le soir à la maison, son mari la frappe dans le grand salon. Souvent elle veut partir, mais elle sait comment il va réagir. Elle passe ses nuits à regarder l'heure. Ses élèves agressifs la faire pleurer, c'est leur objectif. Elle rentre du lycée